sur la fin des temps, on n'avait pas besoin de charbon, de gaz, de pétrole et de nucléaire. Et on avait les ondes qui sont là tout le temps, et le soleil et le vent, ils sont pas souvent là. Oui, ça, on a déjà dépensé des milliards pour les alternatives, mais intermittentes. Il y a beaucoup de connaissances nouvelles. Voilà. Parce qu'en fait, ils datent essentiellement de 1980. D'accord. Par exemple, les épisodes doux au Moyen-Âge, ils sont distribués de la même manière que partout. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça j'ai compris. Oui. Mais là, sa réponse, ça fait quoi? J'ai rien compris. Et moi aussi, d'entendre que la guerre climatique est due, la guerre météorologique est due à ces énergies, ils ont capté ces ondes au lieu de donner l'énergie. J'ai compris, ça va là. C'est marrant, on n'a pas parlé de scénario, mais on préconise quand même des feuilles d'eau. Il fallait une heure de discussion. Ah merde. Si tu veux, tu me mets ton adresse mail, je te l'envoie le document. Moi, c'est ce que j'ai fait pour dire à RMC Bourdin, là. Bourdin, comment il s'appelle l'autre? Viens, laisse-moi un message. Là, si tu veux le lire un peu, tu vas voir. Là, tu as des propositions. C'est de toi? Ouais. D'accord. Je dis bien, si tu as des coups, viens me permettre de répondre, là. Le rapport du GIEC, il est très modéré par rapport à. Ouais, mais c'est Marshall, Bah déjà, elle a parlé du scénario en degré et demi. Je l'envoie sur le coup. Il n'est pas réaliste. Oui. Parce qu'elle dit, ouais, il y a des choses. Non, mais c'est pas un ouais. Non, mais regardez, c'est comme je dis. Si non, mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. C'est le résultat d'un consensus, etc. C'est vraiment des hypothèses très, très simples. Qui est 95 ou 65%, ça dépend, mais c'est pour le même, moins polluant que le pétrole. Et par contre, cette pourriture ne dit pas, il est inadmissible et scandaleux que des sociétés en drogue utilisent ce carburant. La personne, comme vous, comme moi, n'importe qui va utiliser ce carburant, va se prendre une amende salée et va se retrouver dans le tribunal pour escroquer à la TIPP. Ah oui, c'est facile de taper sur les gilets jaunes, mais par contre, pour voir sa grande gueule, celui-ci, il n'est pas capable de voir sa grande gueule. C'est inadmissible et scandaleux, quoi. Vous voulez sortir par le toit sur la gauche, c'est dans 7 minutes. Je le fais pas.